Cheikh Sadi Boundoy, Massouma et Habib Marouane vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM. Votre émission de décryptage et débat de Joma Media. passé d'une minute en temps universel. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. On refait le monde ce vendredi 9 décembre 2022. Vous êtes encore très nombreux et nous le savons comme tous les soirs d'ailleurs quand il est 17h en temps universel devant le petit écran à la télévision sur le bouquet canal 244 mais aussi à la radio et sur le réseau synchronisé de nos antennes de l'intérieur. On n'oublie pas l'ensemble de nos plateformes de communication digital. Nous commençons cette émission par ce clin d'œil, une pensée positive au PDG du groupe Joma, cabinet Silla, alias Bill Gates pour les intimes. Cela fait aujourd'hui 37 jours depuis qu'il a été incarcéré arbitrairement à la maison centrale, selon ses avocats. Au menu de cette émission de ce vendredi, plusieurs sources dignes signes persistent sur l'état de santé d'Amadou Damaro Camara et de Papa Koly Kourouman, le premier ancien président de l'Assemblée nationale, précisément de la 9e législature et dernière sous l'ère Alpha Condé. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital au service de cardiologie et le deuxième se trouve dans un état gravataire, révèle notre source. Il a été également évacué d'urgence des Élécolés à Conakry où il est admis dans un hôpital service diabétologie, précise toujours la même source. Et cette actualité, depuis lors des voix s'élève pour solliciter la clémence du président de la transition afin que ses anciens dignitaires bénéficient d'une évacuation sanitaire, sujet à décrypter et à analyser dans cette émission. Ensuite, nous parlerons bien sûr de ce militant du RPG Arc-en-Ciel qui s'est désolidarisé de plusieurs décisions prises au sein du parti ces derniers temps et depuis sa loyauté est mise en cause et son rapprochement avec les autorités de la transition ne laisse plus planer de doute. Mohamed Saïdou Touré, c'est de lui qu'il s'agit, s'est dit inspecteur général du RPG Arc-en-Ciel. Il dit ceci: je ne réponds pas à un bureau qui n'a pas suivi la procédure normale pour son élection parce que la convention qu'il a mis là n'a pas été validée par le président Alpha Condé ni les militants du RPG Arc-en-Ciel. Je reste et demeure l'inspecteur général du RPG Arc-en-Ciel. Je ne vais pas reculer et personne ne peut m'intimider. C'est en ces mots que Mohamed Saïdou Touré s'est confié à la rédaction de Mosaïque Guinée juste après l'annonce de la décision qui l'exclut de l'ancien parti au pouvoir. Ce sujet est à analyser également dans cette émission. Et puis la CEDEAO annonce la création d'une force pour lutter contre le terrorisme et les coups d'État. La nouvelle est donnée dans le communiqué qui a sanctionné la fin des travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Abuja. C'était le 4 décembre dernier. La décision est-elle réaliste? Est-ce qu'elle est appropriée? Comment va s'y prendre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Autant de questions que nous nous posons dans cette émission. On refait le monde. Et puis notre invité du jour, c'est Jean-Alfred Matos, président de l'UPG et membre du collectif des partis pour l'alternance, entendez par là, CPA. Quelle est la lecture du communiqué final de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 4 décembre dernier? Que pense-t-il du dialogue interguinéen? Que pense-t-il également? Est-il à refaire ce dialogue ou est-ce qu'il faut continuer sur ce qui est déjà fait? Son point de vue également sur l'incarcération de certains leaders de la vie sociopolitique de notre pays. Ces questions ainsi que d'autres feront l'objet des débats avec notre invité du jour dans cette émission On refait le monde de ce vendredi 9 décembre 2022. Avec moi dans ce studio et sur ce plateau pour décrypter tous ces sujets, et comme tous les vendredis soirs d'ailleurs, Yacine Panlé, bonsoir.
Bonsoir Ndoye, bonsoir à tous les fidèles de Djoma Média. Sekou Keita, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Habib Marouane Camara, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Baïla Amadou Traoré, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Non, parce que en général, les vendredis, c'est le seul jour où j'ai l'opportunité, de ne pas être le dernier, parce que M. Kondé, qui, voilà, au vu de son nom, bon, c'est pas grave. Alors, on va partir tout de suite avec des biscuits, comme Monument n'est pas là, mais nous avons en tout cas certains entournés qui peuvent bien assuré et le rôle quand il n'est pas là. Oui, Marouane, vous avez quelque chose sous la main. Hein? Oui, il faut le dire, c'est pour un peu donner, c'est une alerte que nous sommes en train de faire dans ce studio. Oui. Face aux tollés suscités récemment par l'une des décisions très controversées du ministère de la Culture sous l'égide de l'artiste, comment il s'appelle, Bill de Samaya. Oui. Il est important de rappeler Bill de Sam. Bill de Alpha Souma. Alpha Souma, oui. C'est son nom. Bill de Sam pour les intimes. Donc, il est à rappeler que. L'auteur du célèbre titre, Dekou Salam. Allez-y. Oui, non, Yankadi Danse. Le Yankadi Danse, voilà, justement. C'est allez-y. Le nom de l'artiste. Donc, c'est quelqu'un quand même qui nous a fait danser à l'époque. Oui. Mais ce qui est évident, il faut dire qu'après la décision qui a statué sur le retrait de l'organisation Miss Guinée au COMIGI, le comité Miss Guinée de Dame Jean Abari. Oui. Il est à rappeler qu'il y a de fortes sanctions qui vont tomber à partir de la semaine prochaine. Qui sera sanctionné, Ou du moins, il y aura des grandes annonces qui concernent la Guinée à travers deux comités internationaux de Miss, à savoir le comité Miss CDAO, mais aussi avec Miss Monde. Oui. Vous savez que la Guinée est parrainée par, par la Côte d'Ivoire pour ce qui est de Miss Monde. Donc, il y a une opposition catégorique, une opposition farouche et une opposition qui ne pourra jamais être fléchie par rapport à cette immixtion qui semble être un attentat très grave, je vais dire, aux libertés d'association, surtout à l'initiative privée. Oui. Donc, il y a cela qui est en cours et qui est envisagé à partir de ce lundi. Donc, ce lundi, on aura quand même l'exclusivité. Oui, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet attentat ? Pour être beaucoup plus explicite, Marouane. Je veux dire, il y aura quand même l'exclusivité qui est accordée à l'émission On refait le monde à partir de ce lundi, à 17h. Donc, on aura... Donc, les détails, c'est le lundi. C'est le lundi. Et donc, tout sera déballé. Tout sera déballé. Oui. Mais ce qui est sûr, cette décision ou ce forcing qui est fait par... le gouvernement de transition, et c'est une décision qui ne va pas passer. Ça, je le dis dans cette émission. Mais quelle est cette décision, c'est pour Marouane. Dire à Alpha Souma, à Bill de Sam, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Il a déjà fait l'appel à candidature pour ceux qui souhaitent l'organiser. C'est le seul pays au monde qui l'a fait. Oui. C'est une première dans l'histoire des comités d'organisation de Miss, qu'ils soient au niveau local ou au niveau international. C'est une première. Que cela soit, comment on appelle, que cela soit fait. Mais ce qu'il faut déplorer, et surtout ce qu'il ne faut pas occulter, c'est la volonté systématique de l'État guinéen de s'accaparer d'un domaine qui n'est pas le sien. Donc, ce qui veut dire qu'à l'image du football, surtout avec les fédérations ou autres, ça ne va pas passer. Il faut respecter l'initiative privée, il faut donner corps et âme à ce qu'on appelle ici. Et il faut laisser ça aux spécialistes en la matière. Mais vous savez, le mal. Il y aura un connor, peut-être. Non, il y aura connor misguiné ou quoi. La fermeté, la décision qui va tomber, elle est ferme. Ah, okay. C'est Jonah ou rien. Ça, je vous le garantis dans ce studio. La décision vient de qui ? Non, je vous dis, soit on organise, la Guinée va accepter d'organiser. Avec d'organiser le concours Miss au niveau local, où la Miss ne sera représentée nulle part, ou qu'on restitue le comité à Jonah. Donc c'est ça, je le dis, et je suis ferme. Est-ce que c'est une propriété privée de Jonah? Oui, d'abord, ce qu'il faut rétablir. Le comité, j'allais dire. Ce qu'il faut rétablir, je lance le défi à qui que ce soit de venir à un débat avec moi par rapport à la question Miss. D'abord, il y a des choses à établir. Sur la question de l'agrément de comité, il ne relève pas du ministère de la Culture. C'est le ministère de l'administration du territoire qui donne l'agrément
aux associations. C'est une association. Le comité est une association. Ça, c'est la première des le choses. Le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'administration du territoire. C'est pas le ministère de la culture. D'accord. Ensuite, puisque vous savez, malheureusement, avec le CNRD, comme j'aime souvent le dire, c'est un mélange de tout genre. On donne le ministère à quelqu'un qui ne sait que danser et chanter, parce qu'il a été un bon danseur ou un bon chanteur, un grand chanteur à l'époque. On le confie à un département. Mais il connaît la culture donc, aussi, Marois. Qui ça? Non. C'est son côté aussi activiste, son côté politique. Il était de l'UFR. Et du FNDC. D'accord, donc, au début, il y avait cette composante. D'accord, merci pour la précision. Donc, vous savez, le colonel de bonne foi et de bonne intention a voulu certainement imiter le modèle français. Vous vous souvenez certainement d'un certain Jacques Lang. Jacques Lang, qui a été un grand homme de la culture, qui a été un monsieur culture, et finalement, qui a pu se confirmer et qui a su confirmer son talent étant ministre de la culture à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui a redonné à la France toutes ses lettres de noblesse dans le monde de la culture. Donc le colonel a voulu certainement essayer cela avec Alpha. D'accord. Mais il a misé sur le mauvais cheval, je vais dire. Ce que je vais dire en d'autres termes. Oui, rapidement. Très rapidement. Parce qu'il y a Ségou qui attend là. Et pour être beaucoup plus précis dans ce cadre, au-delà de ces deux exceptions que j'ai soulevées, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. L'organisation de Miss qui a été confiée à la structure CAFAP, CAPAF n'a rien à voir avec l'organisation de Miss. Elle organise le concours top modèle et défilé mannequin. Le mannequinat, elle évolue dans le mannequinat. Là-bas, c'est purement culturel. C'est totalement différent. Et Miss, c'est pour la beauté. La beauté et l'intellect. Et l'intellect. Le top modèle et autres, c'est pour la tenue et la culture. D'accord, c'est totalement différent. On a compris, moi. Et ensuite, pour précision, on dit qu'elle a une expérience internationale. Non, il suffit juste d'organiser une soirée annuelle dans un pays étranger, même si c'est au Sénégal. D'accord. Cela te vaut aujourd'hui le droit d'être un expert international. D'accord. C'est ce qu'on a fait. Donc je dis et je répète, avec la communauté culturelle Miss Monde et Miss International, c'est Jonah ou ça casse. C'est vous qui le dites ou c'est parce que... C'est une exclusivité. D'accord. Qui viendra. Ça va être confirmé. On va revenir le lundi. Le grand déballage, ça sera le lundi concernant cette histoire de Komigui qui n'a pas encore daigné dire son dernier mot. Le lundi, on va revenir sur ça. Au-delà de ce qu'il a dit, moi j'ai d'autres révélations. Et surtout, de façon formelle, on change une équipe qui ne progresse pas, qui ne produit pas de résultats. Est-ce qu'en Guinée, on connaît une structure qui organise cette compétition-là mieux que la structure de Johanna? Je crois que c'est une question que je pose. L'opinion peut juger, mais moi, je m'intéresse à certains aspects. C'est quoi, on me demande de vous approcher de votre micro. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème. Alors, moi, le biscuit, vous savez, avec cette transition, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Il y a des gens qui commencent à, si vous voulez, puisqu'ils sont proches, c'est-à-dire d'un ministre ou même du colonel, qui fonctionnent comme un petit roi au niveau de leur direction et tout ce qui s'ensuit. Ça, je vais parler du problème d'électricité à Kissidougou, une sous-préfecture qui est située à plus de 500 km de Conakry. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous savez, à un moment donné, le professeur Alpha Condé a mis un groupe électrogène à la disposition de la ville pour justement permettre justement l'électrification, de connaître le courant qui était malheureusement à l'abandon depuis plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Premièrement, il y a, je ne sais pas quel est le système qu'on a eu à mettre en place. Non seulement le courant n'est pas régulier en ce moment, à Kissidougou. Alors comment se fait la desserte? En principe, ils ont le courant de 18h30 à 0h30. C'est ça le mécanisme. Donc tous les jours. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas donner 24h sur 24, on priorise un tout petit peu la nuit pour permettre aux gens peut-être de suivre le courant et tout ce qui s'en suit. 5 heures sur 24 heures. C'était ça le programme. Mais en ce moment, cette desserte, elle n'est pas régulière. Ça peut venir à 22h et partir à 0h30. Ça peut ne même pas venir.
tout cela, les citoyens acceptent, parce qu'on estime que c'est la situation. Mmh. Mais imaginez avec le programme d'interconnexion, qu'on vous dise que la facture, par exemple, du citoyen qui est à Zérékoré équivaut à la même facture que le citoyen qui est à Kissidougou et qui ne reçoit le courant que de 18h à 0h, les gens se posent la question, alors là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mmh. Alors, en ce moment, il y a une bombe en retardement. Il y a des jeunes qui se retrouvent, qui ne supportent pas cette situation. Selon nos informations, ils se sont déplacés pour aller rencontrer le directeur général de EDG pour mieux comprendre la situation. Ce dernier, avec arrogance, les a rejetés, hein, et tout en leur disant d'ailleurs que lui, il n'a peur de rien parce qu'il a été, c'est pas dans Unimo, ou bien il a été Unimo, je ne sais pas quel est le terme. Les rebelles de l'Unimo. Qu'on peut exploiter. Mmh. Ça devient très grave. Vous êtes là pour servir la population. Si vous êtes face à une situation, vous pouvez ne pas être responsable. Peut-être que le problème vous dépasse. Communiquez, expliquez aux gens qu'est-ce qui ne va pas. Mmh. On vous dit le même mécanisme de desserte en électricité qui prévaut en ce moment. Mmh. On reçoit des factures différentes. C'est-à-dire, si je crois avant c'était quelque chose de les gens recevaient, je ne sais pas, c'était facturé à 4 000 ou 3 000 et quelques. Mmh. Maintenant, ceux qui payaient 200 000 à la fin de chaque mois paye désormais 300 000. En tout, les gens n'arrivent pas à comprendre d'où est venue cette idée d'augmentation, qu'est-ce qui se passe. Ça aussi, il a du mal à expliquer aux gens. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une grande réunion au quartier qu'on appelle Dar es Salaam. Oui. Et les jeunes, ils avaient décidé, bien évidemment, de battre le pavé, en tout cas de descendre dans la rue. Finalement, ils ont été... Il y a eu des médiations, il y a eu les sages qui ont estimé qu'il ne fallait pas. Oui. Mais ce qui les choque, c'est l'arrogance ou l'indifférence du directeur général de EDG de cette localité. Oui. C'est un appel que je lance à l'endroit du département ou de la direction générale. En tout cas, si nous suivons depuis Kissidougou, monsieur le directeur, veuillez prendre toutes vos responsabilités. Il y a le maire qu'il faut saluer de passage qui est en train de se battre justement pour vraiment éviter que la situation ne dégénère. Oui. Mais si le directeur général continue dans l'arrogance, il n'explique pas aux gens ce qui se passe. Oui. Il n'est pas en train d'aider. On parle de surfacturation. Il faut expliquer. Oui. Peut-être que c'est logique, mais qu'on dise aux gens s'il y a augmentation, il faut communiquer. Mais, ou bien, à un moment donné, on nous a dit que le carburant venait de Conakry, c'est que je ne comprends pas. Il y a combien de stations d'essence à Kissidougou, mais on nous apprend que le carburant, c'est pas si ça venait de Kissidougou ou de Farana. Ça, je ne comprenais pas. On disait à l'époque que c'est un manque de confiance vis-à-vis du directeur qui est là-bas. On ne sait pas du tout. Il y a l'EDG qui donne... Mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que les gens essaient d'éclairer l'opinion pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas, en cette période de crise, des manifestations. Je crois que le CNRD doit réagir. En tout cas, et pour les autorités n'en ont pas besoin en ce moment-là. Dégénère, parce que je pense que ça n'a pas de besoin, sens. Oui. Quand vous êtes directeur, vous êtes là pour assumer une fonction et votre objectif, c'est de servir quand même les citoyens. Ouais. Si vous n'avez pas la solution, vous expliquez où vous cherchez. Si vous ne parvenez pas, mais dites aux gens pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Alors, rapidement, le second sujet. Biscuit, c'est deux choses. Je crois entre le ministre de la Santé, parce que je ne vais pas parler cette fois-ci du président, parce que je suppose que lui, il a fait le coup d'État, il a pris le pouvoir. L'inauguration de l'hôpital Donka, vous avez suivi les discours. Oui. On nous a dit beaucoup de choses, on nous a miroité beaucoup de choses. On va jusqu'à nous dire que les Guinéens n'auront plus besoin d'aller se faire soigner. Oui, une inauguration faite en toute pompe. Hein. Alors, allez-y aujourd'hui à l'hôpital Donka. Mm. C'est inimaginable, c'est incroyable. En tout cas, ceux qui ont eu le courage de dire ou de tenir de tels discours devant le président ou en tout cas au peuple de Guinée, et que l'on se rend compte qu'actuellement, l'hôpital Donka que vous voyez là, avec la description qu'on a eu à faire, on ne peut faire que de l'examen externe. Wow. C'est les consultations externes. Même l'hospitalisation, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y a un jeune, à cause d'un cancer, à l'œil, gauche ou le droit, il est obligé d'aller faire la radiothérapie au Sénégal. Il y a un médecin sur place qui peut opérer. Mais il le faut, d'abord, c'est les résultats de la radiothérapie. Oui. Malheureusement, il est incapable de... On ne peut pas faire ça ici. Mmh. Le jeune est obligé de lancer un SES pour qu'il aille faire cet examen à Dakar,
revenir pour que le médecin la puisse l'opérer. Mais en fait, j'ai envie de me poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le colonel est informé? On est en train de tromper encore vous le peuple. Vous vous imaginez avec tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on nous a dit. Oui. Sincèrement, je pensais qu'aujourd'hui, on partait au Sénégal, au Maroc pour se soigner par simple plaisir. Oui. Je me disais qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a suivi un médecin qui nous a relaté ou qui nous a fait une description. On a suivi le ministre et d'autres. Mais qu'on nous dise exactement qui a menti au peuple de Guinée. Est-ce que le colonel sait et il s'est associé à ce canular? Je ne sais pas. Et s'il ne le sait pas, alors nous, nous l'informons qu'il envoie une équipe, qu'on fasse des vérifications. Oui. Si c'est avéré, que le ministre démissionne. Si ce n'est pas avéré, et même le Premier ministre, s'il est au courant et qu'il a gardé cette information. Ça veut dire que Mamadou Pété, c'est Mamadou Pété, non? Mais bien sûr. Il, nous a pas dit la vérité, c'est ça la vérité. Qu'on nous dise, on a fait un bâtiment. C'est vrai. On est en train de se battre pour l'équipe. On n'a pas les équipements. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Dakar. On a tout ce qu'il nous faut sur place. Alors, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Pour appuyer ce que vous dites, je vais vous donner cette information. À l'hôpital Fan, j'ai eu l'occasion le mois de février d'y aller. Voilà ce que un monsieur du corps, voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit sur les 100 patients qu'il reçoit par jour, les 60 viennent de la Guinée. C'est ce qu'il m'a dit. 100. C'est logique. Non, il m'a dit ça. Mais je vous assure, il me l'a dit. Quand même, il me dit que sur les 100 patients par jour, que les 60 viennent de la Guinée. Oui, mais Ndoye, tu veux que les patients se soignent où en Guinée? Tu veux qu'il se soigne? Il n'y a pas le choix. On nous a dit que donc je suis juste en train d'appuyer ce que c'est pour toi. Oui, je ne suis pas en train non plus de contester. Ce que je voudrais juste qu'on dise, c'est que quand c'est bon, lorsqu'on en réclame la paternité, lorsque c'est mauvais, il faut aussi en assumer les conséquences. Lorsqu'il était question d'inaugurer cet hôpital-là, que ce soit Pété ou tous les autres, Ils n'ont fait que passer leur temps à saluer les efforts du président dans ce sens. Alors que ce n'est pas lui. C'est bien entendu le professeur Alpha Condé qui a essayé et qui a travaillé. Ils n'ont fait qu'inaugurer la chose qui n'était d'ailleurs pas finie. Alors aujourd'hui, si c'est inauguré et qu'on se rend compte que c'est loin d'être ce qu'on nous a vendu, que le président assume aussi. Cela, pour moi, ne fait que montrer l'impréparation de ce CNRD et l'incapacité de son président et tout ce gouvernement à mener à bien ce bateau. Je pense que justement, la solution à tout ce problème, c'est qu'ils se dépêchent pour organiser des élections et partir. Parce que si c'est ça leur refondation, si c'est ça leur progression, je dis... La régression était mieux. Oui, peut-être qu'on peut épargner le président parce que. Non. Tu vas l'épargner. Moi, je ne l'épargne pas. Vous êtes président. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Mais c'est vous qui nommez les ministres. Je suppose qu'on n'a pas inauguré cet hôpital-là sans que le président ne soit au courant. On lui a probablement expliqué ce qu'il faut. Si ce n'est pas le cas, mais c'est lui qui a nommé ceux qui sont là. Il a d'autres chances. Mais c'est lui qui a nommé ceux qui sont là-bas. Si on se rend compte que ce n'est pas bien, il a encore le stylo, non? Si on n'en a pas, je peux lui passer. D'accord, mais en attendant, peut-être il n'a pas encore eu toutes les informations qu'il faut. Ah bon? Et c'est pas ceux qui ont été informés que le président? En tout cas, là-dessus, je pense qu'on ne va pas... Très bien, on va évoluer. On va évoluer parce que le temps n'est pas galant. En tout cas, il faut réagir. Parce que ce qui est en train de se passer, disons clairement aux gens, actuellement, l'hôpital Donka ne fonctionne pas. La Guinée a un sérieux problème d'infrastructure sanitaire et malheureusement on est obligé de faire des dépenses inutiles pour aller au Sénégal et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Pour ceux qui en ont les moyens, on peut mourir. Yassine, plusieurs sources signent, persistent, on va s'intéresser à l'état de santé d'Amadou Damara Camara et de Papa Coli Kouroumon, le premier et ancien président de l'Assemblée nationale et précisément de la 9e législature, dernière d'ailleurs sous l'ère Alpha Condé, on l'a appris, il a été transporté d'urgence à l'hôpital au service de cardiologie et le deuxième, Papa Coli Kouroumon, lui qui se trouve, selon nos sources, dans un état grabataire, révèle toujours la même source. Il a été aussi évacué depuis Zélé-Kolé pour Conakry. Il est admis dans un hôpital service diabétologie précise. La même source. Oui, Habib, tu as parlé de cette situation, je pense que c'était hier ou avant-hier, concernant le cas de Papa Coli. C'est vous-même qui avez donné l'information. C'est le site, le 3W, le révélateur 224. Justement.
qui a donné l'exclusivité. Piloté par Habib Marouane Camara. Justement. Hein, oui. Et il faut le préciser aussi qu'on est aujourd'hui vendredi 9 décembre. Est-ce que la situation a évolué? Qu'en est-il de sa santé, oui, de son état de santé? Je suis en train de développer, j'en parle tout à l'heure. Ce que je vais dire, aujourd'hui on est le 9 décembre, cela coïncide avec cette journée internationale des droits de l'homme, mais aussi de la lutte contre la corruption. Oui. Et à cette occasion, il y a le Trésor américain, le département du Trésor des États-Unis, qui a publié un rapport très accablant pour 40 personnes à travers le monde, y compris l'ancien chef d'État guinéen, le professeur Alpha Condé, qui a été rattrapé pour plusieurs faits, à savoir les crimes de sang, mais aussi les crimes économiques. Donc, dans ce rapport qui a été publié, donc c'est un rapport pluriannuel, d'accord, donc du département du Trésor d'État américain. Mm-hmm. Et justement, à cette occasion, cela tombe à pic parce que nous sommes dans une période de transition. Oui. Et pour les mêmes faits qui sont reprochés à Alpha Condé, cette transition aussi, et nous traversons et nous connaissons et nous vivons pratiquement les mêmes réalités, voire même pire qu'à l'époque de Alpha Condé. Donc, c'est pour vous dire que la coïncidence trouve tout son... tout son pesant d'or, comme vous l'avez dit. Mm. Et surtout, la date donne aussi un écho beaucoup plus favorable à la célébration de cette année, surtout lié au contexte politique actuel dans notre pays. C'est pour dire à ceux qui sont là présentement, attention. Oui, je vais revenir. Oui. Je vais revenir. Oui, justement. On aura maintenant, le temps là, puisqu'on parle de l'honorable Amadou Damaro. Damaro et de Papa Kolé. Oui. Justement, qui a été finalement qui a été admis pour une troisième fois hier à l'hôpital Donka, pour cette fois-ci le service de la diabétologie, parce que pour les deux cas, c'était au niveau des urgences. Le premier cas aux urgences, le second cas, c'était au niveau du service de cardiologie. Oui. Donc, cette fois-ci, c'est au niveau de la diabétologie. Donc, Damaro, hier, après les examens et les soins primaires, il a été retourné en prison. Donc, on ne lui a pas permis de bénéficier tous les soins nécessaires. Donc, il a été obligé, il faut le dire, de passer sa première nuit, donc de continuer d'ailleurs son séjour carcéral. Donc, très malheureusement, c'est un souffrant, voire dans un état que je ne souhaite pas. Aussi critique, très critique. Hein. Oui. Donc, s'est vu contraint de retourner en prison. Donc, malheureusement, l'honorable Amadou Damaro Camara ne va pas bénéficier du même sort que l'ancien secrétaire exécutif de l'UFR. Pour le cas Papa Kolé, mes sources sont formelles. Vous savez, après le coup d'État du 5 septembre, le ministre Papa Kolé séjournait dans la région du Sud depuis pratiquement...